depuis près de 20 ans. Jean-Luc Reichmann est un animateur de premier plan de TF1 alors que nous ne savons que très peu de choses sur lui et tout particulièrement sur sa compagne. La femme qui partage la vie quotidienne du présentateur depuis plus de 20 ans se nomme Nathalie Lécoultre. Jean-Luc Reichmann et son épouse, Nathalie, ont fait le choix de vivre dans la discrétion, bien qu'ils soient ensemble depuis plus de 20 ans. L'animateur de « Les 12 coups de midi » est passé sur France 2 en janvier dernier. Dans le cadre de l'émission « On n'est pas couché » pour présenter la pièce, dans une mise en scène de sa femme, Nat. Jean-Luc Reichmann en a profité pour parler de la femme qui a partagé sa vie depuis toutes ces années. C'était un fantasme quelque part de se faire mettre en scène par sa femme. Je suis très très fier d'elle. Elle fait un travail extraordinaire, a-t-il déclaré à Laurent Ruquier. Jean-Luc Reichmann a eu 6 enfants avec Nathalie Lécoultre. L'animateur de 57 ans a déclaré à Paris Match qu'il lui avait donné le surnom de « directrice artistique de sa vie ». La femme qui conçoit également des costumes de cinéma est aussi le bras droit de son mari, en toute discrétion. Elle prépare aussi les lancements de Jean-Luc Reichmann pour les 12 coups de midi. Nous avons travaillé ensemble 2 ans durant sur ce projet, et je me suis occupé aussi bien des costumes que des dialogues et du scénario. Nathalie Lécoultre est une femme qui ne veut pas se faire. En plus de son travail de directrice artistique, la créatrice de costumes de cinéma sortante de l'école S-Mode est, depuis l'année 2000, costumière de plusieurs séries TV, dont Alice Nevers et 2. Et pour finir, pendant ses heures perdues, la femme de l'animateur est pilote automobile. Adepte de mode, de photographie, de décoration et du stylisme, elle est une vraie femme plurielle, comme Jean-Luc Reichmann l'a surnommée.